Alors. Bonjour, bonjour, bon, bonsoir, blablabla. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On joue à ce jeu, encore. Il y a plus de lumière que dans les autres streams, c'est assez rigolo. Oh, putain, le machin qui a passé, il me fait un peu peur. Donc, j'ai rien à dire de spécial, juste on va streamer du Lego Star Wars. On part pour le troisième film. Mais d'abord, comme la fois d'avant, j'ai farmé suffisamment de pièces grâce à la course de pod pour débloquer les nouveaux persos qui ont été débloqués grâce à la progression dans le jeu, quoi. Ça nous en fait plus, ce sera plus rigolo à faire le mode de et j'ai pas trouvé d'autres extras, non? Ah. Je me souviens pas. Donc c'était là-dedans peut-être. Peut-être une nouvelle brique. Oh, j'ai mal calculé. J'ai oublié une brique. Bon, j'ai oublié une brique. Je suis un débile. 30 000, j'ai oublié une brique. Bon, c'est pas grave. Je le ferai la prochaine fois. On part pour l'épisode 3, la vengeance du Sith. C'est pas la vengeance des Sith, le titre? Village of the Sith, oui. Putain, il l'a en plein de langues, c'est rigolo. La vengeance. Wow. Bon, je sais pas pourquoi il me le propose en fait. J'aimerais avoir le titre en français. Ouais, le titre en français, c'est La Vengeance des Sith. La Revanche des Sith, même pas sur Amazon. Moi, ouais, ça peut être. Je crois pas trop. Non? La Revanche des Sith. Ah oui, parce qu'en anglais, c'est pas la vengeance des Sith, c'est la revenge of the Sith. Donc, me semblait que c'était des Sith. Voilà, j'ai peut-être juste mal lu. Hein. C'est peut-être écrit revanche aussi. Attendez. Attends, c'est. Ah non, ça c'est le bonus. Elle est où la sortie? Elle est où? La sortie? C'est du coup. Non, c'est écrit la vengeance du Sith. Alors, est-ce que c'est une erreur? J'avoue que je sais pas. Oh, vous avez pas le son, merde. Merde, 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 merde. J'avais pas vu qu'il y avait pas le son. Comment je fais déjà pour remettre le son de ce truc? Comment on fait? Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Là. Utiliser un périphérique audio personnalisé. Et je mets ça. Normalement, c'est bon. Yes! Ouf! Ah, par contre, c'est chiant parce qu'il affiche la cam. Je peux pas le masquer. J'aime bien avoir les deux sons utilisés en même temps dans le stream, c'est-à-dire mon micro. Et ce que je devrais entendre du coup, le son du jeu que là j'entends pas parce que je sais pas comment il existe. Comment faire pour moi. Allez, on arrête et on balance. La bataille stellaire de Coruscant, chapitre 1. Mais, non, je sais pas. La vengeance du site. En soi, c'est la vengeance. Non, c'est la vengeance des sites. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, on en a encore plusieurs des sites. Là-bas. Je sais pas, je sais pas. Ah, c'est tout pour le coup, ça va aller.
J'ai ce niveau-là en vrai. Mais chez moi, celui d'Anakin. Par contre, il n'y a pas la même tête. De me taper les commandes avec pas en pilote automatique, mais qu'est-ce que tu fais pas dessus? Attends, j'ai par là. Bien.
déjà. Donc on va le refaire. On va le refaire. On va aller acheter un brick. Et on va refaire le niveau de level pour... chasseur en français. En plus j'ai même... Donc on va aller à la cantina, on va aller choper la dernière brique, on va aller choper la brique, même si du coup il doit en avoir une nouvelle débloquée, je sais pas. Je sais pas trop. Tac. Au pire ça fera plus d'argent après. Ok. Oh regarde, qu'est-ce qui manque là? Il manque la brique. Un mini kit, le mini kit spécial, j'espère que l'on l'obtient. Bon, en jeu libre. Oh non, ça doit être les défis. Il y a un truc quand tu relances, il y a le défi. Il nous manque le. Le vrai Jedi. Non, voilà. Ici. Du coup, il y en a de nouveau, j'imagine. Ah non, pas du tout. La brique d'air. Et attends. Oh, il y en a plusieurs. On va les prendre. Oh, tant pis, c'est pas grave. On est presque à 20% du... On en est au troisième et on a fait que 20%. Bah, oh, j'allais dire, on est presque à la moitié maintenant. Pas bon. On aura fini, on sera peut-être à... On sera pas grave. Oh, vraiment. Allez, je veux le refaire. Je peux choper les deux derniers trucs qui manquent. Voilà, il y a le défi. Le défi, une fois fait, il doit rapporter une petite spéciale. Du coup, on va le faire en jeu libre quand même. On va prendre ça dans l'espace. Pas de sens. Pour prendre le progresseur dans l'espace. C'est juste parce que celui-là, on peut le faire sans utiliser le. C'est pas tiré. Oh,
c'est dommage, du coup. Parce que je peux pas avoir le 100%. Mais on le refera en jeu libre avec un multiplayer. Bombe mobile. Ok, pas intéressant. Et j'ai le mini. En vrai, quitte à être là, autant aller chercher les trucs débloquables. Il y avait trois vaisseaux. Je pense pas que je puisse prendre les trois, mais quand même débloquer quelques-uns. Et il y a sûrement là, il y a la brique. On va aller voir. Et on continuera l'histoire, bien entendu. Là, on aura. Ah, c'est là, j'ai tout débloqué. Est-ce que je pouvais débloquer? Ok, bon, on va continuer. Chancelier en péril. Ah, c'est pas bon. Ça me rappelle un passage, ça. Je sais, mais mais à quelle heure du coup c'est une. Oh! La mousse. Mais on joue à Anakin par contre. Désolé, hein. On joue à Anakin, c'est pas obligé. Désolé. Je vais aller à Anakin par contre, je vais aller à Anakin, c'est pas les autres. Bon loot, bon loot, bon loot.
Aïe! Je ne sais plus pour mon bureau. Oh, vous l'avez même pas très bien entendu. Que dans mon bureau. Parce que vu comment je suis placé, j'ai la manette sous le bureau du coup. On va me reculer un petit peu pour éviter ça, mais ça ne change pas plus, je pense. Ah, transition. Même si j'ai trouvé que perso la panne de... j'aime pas cette mini-chimérie. J'aime pas cette mini-chimérie probablement à cause des cheveux. Bon. Je préfère la version plus noire. Pourquoi je peux faire ça? Ah, c'était une bombe. Fallait me le dire. Pas beaucoup. Il y a une autre chose. Pas mal, mais je vais le chercher. Pas comme ça. C'est mort. Pas beaucoup. Ça. Palpatine. Thank you.
va et toi? Ça va bien? Le son est trop fort. Ah, pardon. J'admets que le devant est à fond. Le machin, il était au maximum sur OBS. Désolé. J'ai pas fait gaffe en fait, parce que moi, Elgo, j'entends pas le son en fait. Je porte le casque, mais il n'y a pas de son dedans. Parce que je joue sur la console, du coup, je sais pas comment faire pour afficher les deux, avoir les deux sons. Si je me mets des écouteurs dans la manette ou dans la console, si je me mets les écouteurs dans la manette ou dans la console, j'entends le son, il est plus diffusé. Donc je préfère diffuser le son avec la vidéo, comme ça ça passe quand même mieux que juste ma voix avec une vidéo de gameplay que voilà. Allez, faut se barrer. J'ai remonté, tu me diras. De mon micro? Mon micro, il est déjà très fort. Mon micro, il est déjà très fort, non? Moi, sur OBS, le micro, il va dans le jaune quand je parle. Ah, c'est toi? Il y a d'autres portes. Oh, PO, peut pas ouvrir. Peut pas ouvrir. Mais c'est bon, il y a personne qui m'avait dit pour le device. Pour le son du jeu sur. Oh là! Sur la console. Après, j'ai peut-être pas fait de live avec quelqu'un pour me dire aussi. Et... Non! Je peux pas mourir. C'est que ça. Il y a la brique en dessous. Ah, je suis mort. Bah, nickel alors. Ok, faut pas monter en haut, ça tue. Ça tue. En haut, c'est la mort. En haut, c'est chiant. Faut esquiver les trous. Non, non. Ah! Là, y a un truc qu'il faut faire péter avec une bombe pour avoir la brique rouge. Là, est-ce que ça va repousser? Alors ça repousse le. Oui, d'accord. Donc je peux aller récupérer les pièces et la brique rouge aussi. Donc la brique rouge, je suis pas supposé la récupérer en rushant. Mais là, j'ai pas de perso pour, donc je peux pas le faire. Faut que la notification. Je suis en train de jouer, en train de streamer. Ta 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 ta. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait ça? Ah! J'aime pas quand les pièces sont dispersées comme ça. Oui, effectivement. Effectivement. Bien vu. Bien vu. Ah, ça doit pas affecter le robot. Oui, c'est ma chambre. Donne-moi le perso que je veux, s'il te plaît. Et ouais, je suis bien. Je suis giga bien. Tu vois pas sur le stream, mais là à côté il y a la Mangatech et je suis tellement fier de moi, c'est insane. J'ai fait le truc classique de mettre deux bibliothèques en angle et je suis trop content. Alors il faut le robot, mais il est où le robot? Qu'est-ce qu'il fait le robot? Ah, il passe pas le robot. Merde. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Le robot il passe pas.
Et l'autre non plus, passe pas. Un truc que j'ai pas fait. Ah oui, j'adore. J'en fais un par jour. J'en fais un par jour. Je fais un stream par jour, j'adore ça. Même qu'il y a des fois, j'ai du mal à me mettre dans l'idée de jouer hors live. Je voulais juste taper. Vraiment con. J'ai du mal à me mettre à jouer hors live. Genre, j'aimerais bien progresser sur Genshin, mais j'ai pas envie de jouer hors stream, c'est bizarre. Hein. Il y a des jeux que forcément, quand ils vont sortir, j'arriverai pas à les... On se liait par contre, tu te fous pas de moi. J'arriverai pas à les jouer hors stream. J'ai trop envie de les jouer en live. Ça, c'est juste le trip de la nostalgie, les jeux Lego. Même si en soi, s'il y en a des nouveaux qui sortent, je vais les faire aussi. Alors, je voulais pas te taper sur R2. Sortir mon arme. Alors, ils sont pas genre compliqués à battre eux, normalement. En tout cas, j'arrive à le faire des dégâts en sautant. Voilà, il a plus de tête. Il m'a tué aussi. Ça motive de jouer en live, je trouve. Moi, ça marche comme ça. Ça me motive à finir mes jeux et il y a peut-être des jeux que je vais faire que j'avais pas fini. Tu t'en vas? D'accord. C'est vrai que ça doit faire. Pourquoi il est midi chez toi, non? Passé. Ah, je m'amuse. Ça m'occupe aussi. Hop là! Allez, à plus! Content de t'avoir eu, ne serait-ce que temporaire. Et du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une interaction, j'imagine ici. Non. Où sont les. Oh! Tiens, les. C'est un peu planté quand même. Ils le sont plus que tout à l'heure. Une belle pièce. Ah, faut juste activer. Ah, ok. C'est la seule interaction qu'il y a de toute façon. On envoie le vaisseau dans le blocus, il me semble. Non, pas du tout. On se crache sur Coruscant, comme ça. Non, c'est dans Clone Wars parce qu'il envoie un vaisseau dans un blocus séparatiste. Il le redirige sur... Ok. Un de plus de fait. Oh, ça nous en fait des persos, mine de rien. Épisode 3, Anakin Skywalker, Jedi. Chanceux qui est Palpatine. Donc, d'ailleurs, on vient de voir là. On vient de voir là. Il y avait toute une ligne en dessous. Entre les persos que j'ai achetés et les persos que j'ai débloqués avec l'histoire. J'imagine que la ligne, ça va être tous des persos à débloquer avec l'histoire, ça en fait beaucoup. Je peux skip ce genre de truc. Hop, on continue. Allez! Ça me trigger à chaque fois que je le vois. Arrête! On va où là? C'est quelle planète ça déjà? Il devrait mettre un petit truc en bas dans le coin pour montrer la planète où on va. Je ne sais pas s'il y a ça sur les nouveaux. Mais ce serait cool qu'il l'ait. Celui-là. Hein? Bah, l'encre de Grévous.
Et j'y pense, c'est le dernier film de la prélogie. C'est l'ordre 66 là bientôt du coup. Oh, j'ai touché avec un blaster, trop triste. Alors il est bleu son blaster, donc j'imagine qu'il est Putain, il y a un mini kit là-bas. Je sais pas comment je vais faire pour avoir les mini kits de ce niveau-là. Oh, zut! Alors, il est pensé pour être joué à deux ou c'est quoi? Parce que, en vrai. Ça m'embête, moi. Bam! Ok, il a changé. Il m'a suivi, je sais pas comment il a fait, mais bon. Il m'a suivi. Pas mal. Let's go, ça nous en fait deux. Il y a peut-être moyen d'avoir les 5 aussi là. En vrai. Mais. Pas comme ça. Voilà. Là tu montes dessus j'imagine. Boum. Alors avant d'y retourner, on peut grimper. Faudrait sortir ça du mur, je pense. Ouah, je suis mort. Non, non, non. Mais, me fais pas glisser à chaque respawn, c'est pas juste. La grosse triche, là. Génial, mais arrête. C'est pas comme ça qu'on va gagner des points. Tac. Alors, comment je monte plus haut? Il y a moyen de monter plus haut. Pas à partir d'ici, je crois. Oh, mais c'est pas drôle. Non, genre, vraiment. Allez. Le saut qu'il m'a fait, Obi-Wan, là. Par-dessus Grievous. Vas-y, Cody. C'est Cody. Comment Cody? Qui d'autre? Quel autre clone se bat? Ouais, c'est Cody. Quel autre clone se bat avec Obi-Wan? Enfin, il y en a d'autres, mais je veux dire. Bon, son escouade à Obi-Wan. C'est celle de Cody. Forcément, le commandant qui traîne avec lui, c'est. Ah, je comprends pas les infos. Je pouvais lui faire des dégâts en sautant. Alors du coup, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il est lourd, non? Toujours pas interagir avec ça. Je peux le casser peut-être? Je peux le casser. Il y a quelque chose derrière? Oui, il y a quelque chose. Ah, mais non, mais ça c'est pour maintenant. Ah bah, ok. Alors attends, du coup, ça il faut le casser aussi. Ouah, il y a tellement de mini-kits collés. C'est. Mais du coup, je fais comment pour atteindre l'autre? J'ai pas de perso qui saute assez haut. Là, la sale gang. Ouais, c'est quoi tout ça là-bas? Waouh! Ok, j'ai réussi à atteindre. Mais du coup, le level il va pas s'arrêter à la fin du combat? Moi, c'est ce que je pense qu'il va arriver. Hein.
C'est dans le vide, ça aurait été rigolo de finir comme ça. Mais du coup, il va buter. Je vois bien Grievous tuer Koichi. J'ai compris quoi, comment faire le saut stylé. Par contre, j'arrive pas à lui faire des dégâts. Ok, attends, change de personnage. Change ! Merde ! Et là, on rechange derrière. Allez ! Pendant qu'il a sur... Ah ! Pendant qu'il a le focus sur un autre. Ok. Là, il y a un focus. Non. Allez ! Il a mis son dernier tel son dégât, il en manque plus qu'un. Hop là. Ah voilà, Cody capote. Et là, il va l'abattre avec, avec le blaster, comme dans le film. Et c'est vraiment la fin du niveau, c'est-à-dire que tous les autres, ils étaient chopables directement. Enfin, ils étaient attrapables comme ça. Mais il me faut prendre un perso qui, il faut un perso qui va plus haut. Et un qui vole, genre, pas trop... J'ai pas eu de pièce sur ce level. C'est la lousitude. Continuez. Donc on arrive à 3... à 4. Il en reste deux autres niveaux à faire. Et ensuite on tombe dans la trilogie. Donc Dark Vador, Luke Skywalker, Han Solo, la princesse Leia, la défense de Kashyyyk. Oh mais c'est vrai, c'est ça, ça commence à... On approche de la merde, quoi. Donc t'as une coiffure, ce Wookie. Oh non, 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 non. Ah c'est Chewbacca. Ouais, ça c'est un détail que j'avais un peu zappé par contre. Même le fait de le laisser comme ça, le Yoda il sort son sabre tout seul pour avancer plus vite. C'est rigolo. Tellement il va lentement le sabre rangé. Je sais pas. J'ai eu peur en fait. L'habitude de voir les clones comme des Stormtroopers. Cody ? Encore ? Il a survécu ? Ah non, justement, en 66, c'est parti. Ah, c'est déjà ça, déjà le cas. Enfin, tout se passe en simultané, normalement. Du coup, il vient de tuer Cody, là. Gratos. Bah, Yoda, il en a souffert, je crois. J'imagine bien qu'il en a souffert, mais... Il a fait ce qu'il devait faire quand il fallait le faire. Yoda soit peut-être plus haut que les autres. Non. Tout aussi haut que les autres Jedi. Je sais pas comment je vais faire pour les récupérer. Je comprends pas, je mettrai des solutions. Ok, pour sauver les Wookiees à Mohawk. Les Wookiees à coiffure spéciale. Saute sur le côté, c'est drôle. What the? Qu'est-ce qu'il fait? Change de personnage. Je peux monter? Oui, la arbalète est considérée comme un blaster. Non, pas lui, le clone, putain. Voilà, ça c'est une agression, mon pote. Et du coup, avec ça, je retourne. Ouais, ok. Utilité sur 20,
Pas beaucoup, hein. Ok, par là, j'imagine, j'ai fait le tour. De ce côté, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, super, c'est sympa ça. Un petit mini kit des familles. Y a rien par là pour le coup. C'est un peu les pièces quand même pour faire un peu d'argent. Pas beaucoup, juste un. Ah non, c'est pas cosy, il y en a plein des comme ça, des clones avec le truc orange. Ça doit être tous des commandants, mais. Et de différencier, je trouve, le cosy qui est littéralement comme ça. Il fait un trou. Il manque un Wookie. J'ai pas vu. Il manque un Wookie. Passer. J'allais abandonner un confrère de Chewbacca. Alors là, du coup, attends. Extra. C'est rigolo. On le laisse? Je crois que je peux le laisser. Hein. Tant qu'à l'avoir débloqué et que ce soit juste de l'esthétique. Même si en soi ils se connaissent peut-être même pas pour l'instant. Donc niveau RP, on repassera, mais pas grave. Non, mais il est où le dernier là? Quoi ça? Parce que c'est ça. Et là. Rien faire? Non, je comprends pas là. Bon, pas les derniers non plus. J'avais réussi pourtant. Ok, c'est bon. Et par là, j'y vais comment, moi? Non, mais je comprends pas. Il est où le dernier Wookie? Il y a un passage, il y a un pont que je vois pas en fait. Bah, ça brillait pas ça tout à l'heure. Qu'est-ce que cette arnaque? Il n'y a pas tout à l'heure. Allez, bam. On arrache tout. Ah, d'accord. Et voilà, sympatoche. Les deux premiers niveaux là de ce. Ouais, excusez-moi. De ce chapitre. Cet épisode n'était pas très. Très très. N'était pas très 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 long. Là, ça va l'être un peu plus. Je pense, à mon avis. Ah oui, je vois très bien ce qu'on va construire. Je suis d'accord. On va construire ça, littéralement. Alors attends. Yoda. D'accord, il faut monter dessus. Il est coincé, il veut pas sortir de l'eau. Non, c'est bon. Est-ce que genre. Oh, presque, hein, en vrai. Oh non, s'il te plaît, sors. Sors ton sabre. Allez. Putain, mais. C'est une blague. Ah, merci. Oh, la construction. Oh, mais niquez-toi.
pièce. Donne-moi ma pièce. Et j'ai dit. Oh mais je vais me faire foutre un peu. Non. Moi je l'avais tellement moi je l'avais imaginé dans le dernier. Dans le dernier Star Wars, là le Skywalker, l'héritage de Skywalker, je crois que c'est ça. Moi j'avais trop imaginé un grand combat avec le premier ordre en réutilisant d'anciens clones, enfin en réutilisant une usine de clones pour en avoir de nouveau par la rébellion ainsi, ainsi que des usines de droïdes. Moi j'aurais trouvé ça trop stylé d'avoir une grande armée de droïdes et de clones combattant pour la rébellion. Alors, il y en a un là. J'imagine que pour atteindre celui-là. Let's go. Yeah. Allez. Putain mais il a zéro résistance ce machin. Il aura sa voix avoir des cœurs gris, il résiste à rien. Bah là on les voit très bien coopérer les deux, mais c'est pour le compte des séparatistes. Moi je les aurais vus coopérer ensemble pour le compte de la rébellion. Oh ça m'énerve. Oh ça m'énerve. J'ai hâte de finir ce niveau parce que Yoda, vraiment. Vraiment. Allez, redonne-moi. Non, non, ça je m'en fous. Redonne-moi. Non, Chewbacca. Bordel de merde. Y a pas de fun à jouer Yoda. Malheureusement. Mais il n'y a pas de résistance, c'est pas possible. Toujours j'en ai qu'un seul à la fois. Non mais laissez-moi tranquille. Voilà, c'est tout. Il y a un vaisseau là. Il s'est écrasé. Ou peut-être un espèce de satellite. Ah non, c'est un... Je crois que c'est un... Comment dire... Un tank séparatiste. Alors comment j'ouvre ça du coup? Non. On appelle ça de la triche, je crois. Comment j'amène... Allez, on veut plus de Yoda. Comment je... Ah, attends, peut-être que juste... Non, ça marche pas. Comment je monte avec Chewie? Je peux pas, hein. Comment il veut que je passe? Mais... Mais monsieur le jeu! C'est Yoda qui fait les grands sauts. Comment tu veux que je passe? Je comprends pas ce que vous voulez que je passe. Là, des membres les... Allez, on les casse tous. Cette violence. Je comprends pas. Ça marche pas. Et avec ça non plus, ça marche pas. Quand je monte, wesh, pas utiliser une soluce pour un jeu Lego. Ça va pas la tête. Non, je peux pas monter comme ça. Y a que Yoda qui monte comme ça.
D'ailleurs, on va savoir vraiment pourquoi est-ce qu'ils nous ont donné ce... Pourquoi est-ce qu'on construit ce bidule, hein. J'avoue que ça, j'ai pas super suivi, pas super compris. Arrête de t'en aller! Oh la vache! Tu voulais? Bah oui! C'était tellement évident que c'était caché là. Allez. Allez, j'ai dit. Voilà, merci. On avance. Prendre le pod. On l'a plus, pas grave. Il y a un vaisseau. Il s'enfonce dans le marais. Ça largue des ressortir. Enfin, je peux le ressortir. Allez, s'il te plaît. Mais lâchez-moi! Comment c'est possible de faire ce passage sans se faire emmerder? Bah oui, continue de m'en donner. Comme ça, je peux juste pas essayer de faire ce que je veux faire. Mais non! Mais comment je fais? Il y en a à l'infini, c'est chiant! Comment je fais pour essayer de... Ah putain, c'est pas lui qui en appelle par hasard? Il est en orange. Ça m'étonnerait pas. Il meurt. Non, il y en a, ça tombe encore. Il y a peut-être un autre commandant. Là. Allez, il y a un coup de sabre laser sur un putain de brique. Putain, je pense. Allez, là, je sais pas, il y a aucune raison d'être là, c'est assez chiant. Je me plains beaucoup. Oh là, je me plains, c'est insane. Allez, qu'est-ce que je peux faire de ça? Il a la tête sous l'eau, il va mourir noyé. Pauvre navet. Ah, je lui étais méchant. Allez, qu'est-ce que ça fait ça? Mais non, il recoule. C'est une blague? Pas, je ferai ça plus tard. Arrête de... Rends-moi un personnage qui se manipule normalement. Sérieux. Vivement le jeu libre, que je ne sois pas obligé de me taper Yoda comme Jedi. Je vais en utiliser un autre à sa place. Forcément, le personnage qui fait n'importe quoi, ça fait tout le temps de progresser. Oh. Bah, du coup, le prochain niveau, je sais pas ce que ça va être, mais le dernier, c'est forcément Mustafar. Voilà. Je peux aller par là grâce à ça. Oh, il y a de la boule géante. Je sais pas comment je suis passé, ok. Aïe. Non! C'est une blague. Là-dedans, je peux aller par contre.
Y a rien? Ah, c'est pour me cacher. On va attendre. On passe. On y va, on y va, on y va. Hop là, le mini-kit du plaisir. Et il faut que je vienne avec Yoda. Oh là là. Allez, monte! Interagir avec, mais je sais pas ce que ça change. Allez, fais-le! Non! Oh! Ouais! Oh, je t'avoue que là, le niveau, il me fait rager parce que je joue un personnage que je trouve chiant. Possible. Oui, j'aime pas du tout Yoda sur ce. C'est pas possible de donner un personnage aussi chiant à manipuler. Allez, fais. Vite. Vite. Je dois attendre l'autre là. Il pointera jamais, hein. Il viendra jamais. Jamais il réussit à passer tout seul. C'est impossible. Forcément un autre moyen de passer. J'ai du coup vraiment mon autre perso parce que voilà. C'est bon. Pas de truc spécial qui apparaît en cassant une plante là encore. Non, saute pas assez haut. Obligé de passer là-bas. Mais c'est débile, je joue pas à deux là. Oh, comment, allô? Bon, ça fait quoi? J'avoue que j'ai genre la flemme de chercher une solution qui ait du sens. Ah, voilà. C'est ce truc-là. Allez, on tasse ça. Voilà. Là, je prends le Wookie, je passe là. Et je monte. Et l'autre il vient. Allez, tu viens. Viens! Putain, c'est dingue de devoir faire tout toi-même. Il a pété. Je savais pas qu'il pouvait les casser. Ça permet d'avancer sans s'arrêter. Allez. Il a passé, oui. Effectivement qu'on le finisse, hein. On va le laisser là tant qu'on n'en a pas besoin. Il faut des claques sur le droïde. Allez, meurs! En général, ça prend pas 4 balles pour tuer quelqu'un. C'était inutile. Allez, change! Putain, c'est fatigant ça! Je me colle pour changer de personnage. J'ai pas le souvenir que dans les jeux Lego, il fallait être poli à son partenaire pour pouvoir. Ah, c'est le pod, c'est le truc pour s'échapper. C'est le truc que Yoda va utiliser pour partir. Oh, allez. Laissez-moi finir, que j'en finisse avec ça. J'en peux plus.
forcément finir ce niveau là. Voilà. Salut, au revoir, à plus tard. On se joue pas Yoda de. De Sito, s'il vous plaît. Débloquer Chewbacca Sito, ça me paraît. Bah ouais, ça me paraît dingue. 13%, mais tu m'étonnes aussi. Vu la manière dont j'ai joué le niveau. Pas très étonnant. 4 mini-kits quand même, j'ai presque fait la moitié. Allez, on continue. Du coup, je sais pas ce qui se passe dans ce. Dans cette partie-là. On va bien voir, il va me le dire. Attends, je vais voir le sous-titre pour comprendre ce qu'on va faire. Chapitre 5. La chute des Jedi. Ouais, c'est le passage auquel je pense, mais du coup. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Oh non, pas encore. Oh non. Ah mais j'ai Obi-Wan, je peux très bien faire avec Obi-Wan. Par contre, du coup, je vais faire une micro-pause. Ça fait une heure que je stream, j'ai besoin de me lever et tout. Donc je reviens très vite. Et re. Ok. Du coup, on continue. Oui, je suis allé chercher aussi un truc à manger. Ça sert à rien tout ça. Je vais te prendre des pièces, ça sert à rien. Alors. Quand même, il est si facilement donné. Oh, c'est des clones! Allez, tue-le! Wesh, c'est bon? Eh bien, arrête de faire ta chuchote là, le tireur. Alors c'est Anakin, il est venu pour massacrer. Ah ok, ouais, bah c'est le
le passage au temple d'Anakin, mais du coup on le croise pas ici. Allez, meurs! Chiant, il n'arrête pas de reculer. Je veux bien qu'il veut préserver sa peau, mais c'est un jeu. Il devrait mourir plus facilement que ça. Je peux pas. Il faut que je trouve vraiment que je trouve la brique qui permet d'attirer les pièces à soi. Alors, extrêmement inutile de faire ça comme ça par contre, mais c'est pas grave. Je crois que je vais chercher sur internet, voir c'est quel niveau qui a la brique avec la brique rouge de l'aimant à pièces, et je vais aller la chercher en priorité quand on fera allez, arrête. Oui, c'est ce que je veux faire, s'il te plaît. Il y a une grosse boule. Avec des petites boules, mais ça va la tête, ça va pas les clones, les robots là. À quelle heure il y a des robots qui nous agressent dans le temple Jedi? C'est tout. C'est tout. Apparemment c'est tout. Et... incroyable. Ok. Il a donné le casque. Seuls les Stormtroopers ont accès à cette zone. Oui. Du coup je peux pas. Faut que je continue. Ah, c'est ça. Je crois qu'il allait me donner son casque. Ça va pas vite. Allez. Ah. Ça tient dans les airs. Ok. Posera pas de questions. C'est le temple de Jedi, il se passe des trucs bizarres quand même dedans. Oh, et du coup je peux pas faire. Allez, vas-y Yoda. Je sais pas s'ils vont nous remettre la scène avec les Padawan. D'Anakin et les Padawan. Enfin de Vador et les Padawan. Et là, je sais pas si à ce moment-là. Enfin, c'est rien en fait. Si à ce moment-là, le passage avec les Jedi dans la chambre du chancelier, enfin dans le bureau du chancelier, sont déjà faits. Ce passage-là est déjà fait. Ah, il crève. Dans cette grande pièce, on dirait une prison. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ok, je peux pas y aller, c'est verrouillé. Ah, ici c'est ouvert donc. Salut Zeiko. Pas si je le dis bien. Zeiko. Merde. Ah. Mais. Ah, putain, sérieux. Ça m'énerve. Je vais rager. Ouais, je vais bien. Je vais bien.
Je vais chercher ou pas? Là, je peux pas. Ça va, ça va. Non, je peux vraiment pas. Ça a l'air plus long, plus court, pardon. Genre, le temps qui reste sorti a l'air plus court. Oh ouais, non, c'est clairement plus court. Faut être plus rapide. J'aime pas trop ce délire-là de vitesse, moi. J'ai du mal avec la perspective, c'est rigolo. On va se marrer. Ah non, c'est pas la première fois que je fais le jeu, mais ça fait tellement longtemps que j'ai fait le jeu que je me souviens pas de tout. Et puis bon, en vrai, vu à quel point la saga Star Wars est connue, c'est difficile de pas connaître un peu d'avance ce que tu dois faire dans chaque level quand même, un petit peu. J'en suis à la revanche des Sith. Enfin, ils appellent ça là-dedans, ils appellent ça la vengeance du Sith. Ce qui me trigger parce que du coup c'est pas le bon titre, je crois. C'est. Mais du coup c'est assez facile de deviner que le prochain level, qui est le dernier, ça va être Mustapha. Ça paraît évident. Oh putain, qu'est-ce que les pieds ça. Ah non. Tu l'as réinstallé hier? Tu y as déjà joué toi aussi? Si j'ai. J'ai, mais j'ai déjà fini ce passage avec Dark Maul. Je l'ai, mais je suis pas en jeu libre, en fait, pour le coup. Je refais l'histoire d'abord et ensuite... Mais Dark Maul, c'est un personnage que j'ai acheté là, il y a un ou deux streams. Moi, ça fait quelques jours que j'y joue en live. Si tu veux voir les autres, va sur ma chaîne YouTube, j'ai mis les rediffs. Non, je suis après. Je suis à l'épisode 3 de la saga Star Wars. L'Euro 66, tout ça. Anakin qui devient Vador et ainsi. Donc j'ai bien avancé. En fait, je fais carrément ça. Je fais un épisode par live. Et le premier épisode, j'avais fait... un peu. Là, je sais pas, il fait quelque chose? Si, il allume la lumière. Ok. Voilà! Les deux quels? Voilà. Niveau débloqué, là. Hop. Ah ouais. Bon, c'est sûr que vu que moi je suis en plein dedans, je me rends bien compte que c'est pas le même, mais c'est vrai que vite fait ça peut être assez différent. Mais du coup moi, je vais y jouer jusqu'à ce que je finisse le jeu à peu près 100%. C'est-à-dire que je vais tout faire pour avoir tout ce que je peux et ensuite, je passe au prochain, c'est-à-dire que le prochain jeu que je vais jouer, Dark Vador, ah ouais, carrément. Le prochain jeu Star Wars Lego que je fais, c'est Clone Wars. Après, il y a The Force Awakening, quelque chose comme ça, et ensuite je m'attaque au dernier sorti en date, c'est-à-dire le Skywalker Saga. Ça, c'est ton jeu préféré, The Complete Saga? Moi, je crois que c'est... Skywalker Saga, ouais, il y a un jeu
Bah c'est stylé, c'est cool que ce soit ton jeu préféré. Moi les jeux Lego ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré ces tous les faire quand j'étais plus jeune. Je les finissais pas au complet parce que j'avais beaucoup de mal, mais ouais le nouveau je le fais en dernier. J'ai pas touché encore du coup. Pour moi le nouveau ça va vraiment être une découverte. Alors là je trouve ça très rigolo qu'ils nous fassent jouer deux personnages qui s'affrontent. Putain. Ah ouais, t'as joué sur PS2. Moi, je jouais sur 360. J'ai joué sur la 360 à celui-là. Et sur PS3, je crois. Putain, j'y arrive pas, hein. Oh là là, mais quel nul, je te jure, ça. Je meurs même pas parce que. Alors, juste un saut. Grand saut. Fallait re-sauter, connard. Attends, j'ai vu ton message apparaître sur mon. Sur OBS, mais. J'ai du mal. Oui, je sais, je connais la saga, t'inquiète. J'ai déjà vu tous les films de Star Wars, j'ai regardé Clone Wars en grande majorité, une partie de Rebelles. Je suis pas à fond sur Star Wars, mais je connais les grandes lignes de l'histoire et les moments importants. J'arrive pas à couvrir ces tueries. Au secours. Je gagnerai pas beaucoup de pièces dessus, ça. J'ai failli mourir, j'ai failli mourir. Ah, il y a un mini-kit, j'ai pas le temps de jouer avec ça. Enfin, quoique. Arrête de sauter pour rien. Là, il y a un mini-kit. J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Je vais où? J'ai pas compris. Ouais. Oh, je peux la traîner. Oh, j'aurais dû changer, j'aurais. Dommage que j'ai pas pu changer de personnage en sautant. Je saute pour rien, je saute pour rien! Non, le chemin c'est trop long, ça fait tuer à chaque fois. Ni par mourir. Change, 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 change! J'ai pas oublié de changer. Alors là, j'avais pas les yeux sur le jeu, alors c'est difficile de jouer dans ces conditions-là. Allez là! Très bien de réussir. C'est le dernier niveau. Non! Oui, j'ai une Switch. Mais vu qu'on est au mois d'octobre, j'ai mis de côté les jeux Switch pour l'instant pour essayer de me concentrer un peu plus sur les jeux d'horreur, même s'il y en a sur Switch en soi quelques-uns. J'arrive pas à passer, hein. Non, là j'ai encore merdé. Mauvaise tendance à sauter deux fois pour rien. Alors on va contourner. Allez. Voilà! Oh non! C'est pas vrai! Bah oui, j'ai déjà fait Zelda. J'ai acheté une Switch pour Zelda. Et j'attends le prochain très très fort. J'attends le prochain très très fort et ouais, je vais le streamer celui-là aussi, à mon avis. Oh mon Dieu. Non, j'ai pas fait en live l'autre, je l'ai tout fait tout seul de mon côté. Il y a un autre trou. Allez, c'est bon là. Ouf. Ah ouais, mais le prochain, je devrais le streamer. Le Tears of Kingdom. Je l'attends, mais genre vraiment fort. Le Pokémon aussi, d'ailleurs, tant qu'à parler de jeu Switch. Parce que vraiment, moi, j'ai trop aimé. Voilà, on peut se mettre sur la gueule maintenant.
On dirait des gamins. Ça continue de péter, là, c'est ça le délire. Ah non, c'est pas que ça pète, c'est qu'il y a un... Il y a des boutons. Attends, quoi? Casser les boutons? Oh, vite! Dépêche-toi! Bon, l'avantage, c'est que les ennemis qui sont pas trop chiants à avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Passage ici s'ouvre. Duel le fate. J'imagine qu'il y a la musique qui va avec. Oui, ça aurait pu, mais honnêtement, j'ai pas envie de le j'ai pas envie de rejouer à Breath of the Wild. Il est très cool. Hein. Enfin, je dis pas, je me suis amusé à le faire. Ça m'a même donné envie de jouer un petit peu aux anciens, même si je suis pas. Cette envie, je suis pas allé au bout parce que les vieux jeux, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre sérieusement. Vraiment, les jeux à l'ancienne, j'ai beaucoup beaucoup de mal à me mettre vraiment dedans. Putain. Oh naze. Pas bon. Depuis que j'ai un spectateur, je suis pas bon. Oh, je suis vraiment pas bon. Arrête, quoi. Qu'est-ce que je fais? Mais non! M'arrête! Joue bien! Y'a quelqu'un qui te regarde non plus. Une heure sans spec? Alors non, j'ai pas fait totalement une heure. Il y a une amie qui est passée à un moment. Elle a pas resté parce qu'elle pouvait pas ou je sais pas quoi. Elle est partie faire autre chose aussi, je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Ni des. Je connais pas ses occupations. Mais moi j'ai fait une bonne heure sans vraiment avoir de spectateurs. Bon en fait, je dis ça, mais en soi. Oui, bah tout le monde n'aime pas la même chose et en soi, j'ai pas juste fait une heure sans live, j'ai fait plusieurs lives où il y avait même personne. Et moi, je m'amuse à aller faire mes lives, même s'il n'y a pas un chat qui vient. J'aime ça. Allez, thanks for the follow. Je peux pas aller par là en passant par ici, ça marche pas. Je vais aller chercher le Mimic. J'aimerais bien quand même. Ça, je crois qu'il faut que je passe sur la plateforme là-bas. Oh. J'en ai un peu marre de mourir. Ok. En fait, l'heure change à chaque fois. En général, j'essaye avant. J'essayais d'attendre genre vers 20h. 20h au Québec. Je suis là. Oh bon bah. Putain, c'est mal le nombre de cœurs que j'ai. Salut. Mais je peux commencer plus tôt des fois ou plus tard si je suis pas arrivé. Genre en semaine j'essaie de me tenir à 19h, toujours au Québec évidemment, et la fin de semaine, je peux les faire plus tard. Là, normalement, j'aurais fait ce live là durant la journée, mais je le fais beaucoup plus tôt parce qu'en fait, je suis pas disponible aujourd'hui et j'ai pas envie d'attendre ce soir. Épisode 3 terminé, let's go!
Le vrai Jedi, on va l'oublier. Eh, pas pour tout de suite. Du coup, finir l'histoire. On va voir Sidious aller récupérer la moitié de son apprenti, son nouvel apprenti. Ah non, la naissance des deux gamins. Et elle meurt en couf. Comme Dark Vador. J'en suis donc à 24. Ouais, alors enfin, je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai fini J'ai fini la prélogie. Je viens de finir la prélogie, donc ce qui est devenu le 1, 2, 3, il me reste le 4, 5, 6, donc les premiers à être sortis. J'imagine que c'est sorti dans cet ordre-là aussi sur le en jeu, peut-être. Je sais pas, moi quand j'ai commencé à jouer à des jeux Lego, parce que je sais pas si ça se voit, mais je suis pas si vieux que ça, mais moi quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, c'était déjà la saga complète qui existait et qui se vendait. Je vais voir du coup qu'est-ce qu'il y a de débloqué maintenant. Ah, il est là. Dark Maul. Je l'ai. Faudra le trouver. Alors, le comte Dooku I. Garde du corps de Grievous. Le général Grievous. Un Wookie. Clone épisode 3. Clone épisode 3 pilote. Clone épisode 3 marais. Walker. Mass Windu. Clone déguisé. Ah, sympa. Et il y a des vaisseaux, peut-être. Non, je crois pas. Non. Oh, on va voir les TIE bientôt. Dans les extras, non. Ça, c'est les codes, j'ai pas envie de pêcher pour l'instant. Une nouvelle brique. Non, je viens de finir Vengeance du Sith. Ah, la vengeance du Sith est celui que je viens de faire. Là, je vais à le nouvel espoir. L'Empire contre-attaque. Le retour du Jedi. Et dans le futur, on va se faire les autres qui vont après. Mais non, t'inquiète. C'est tous des bêtises. Moi, je veux juste débloquer un personnage avant. De passer à autre chose. Il y a un perso que je veux et c'est celui-là. Alors il est pas beau dans cette version parce que enfin, c'est un vieux jeu quand même ça. Je vais le changer. Attends, tu commences. Ah ouais, mais toi tu y vas à comment le jeu se fait Comment, enfin, la sortie des 28 sur 160. Je peux pas. Là, il y a les mini-kits. J'aimerais juste trouver. Mais arrête de me tirer, je vous ai rien fait en plus à la base. Encore un Jedi. Il veut pas me donner les personnages de type Sith. Bonus. Ah, je peux peut-être faire un truc là ici, non? 10 sur 10, qu'est-ce que ça fait?
Ah, ça fait des niveaux. Course de module originale. Original. Qu'est-ce que ça change? Non mais ils m'agressent parce que c'est des méchants. Ils sont chiants. Bon, ouais, ça oui, c'est pareil, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est le même niveau. Pas skip. Tout ça jusqu'à maintenant, on l'a déjà vu. J'ai déjà fait dans le premier épisode. Dans la menace fantôme. La course doit être différente. Autant le faire, quitte à l'avoir lancé. Pas le pays. Pourquoi j'irai si peu vite? Ah oui, non, c'est pas pareil. Quoique, si, c'est juste. Enfin, si, c'est la même chose. Enfin, la même chose. C'est pas loin d'être la même chose, c'est juste que c'est extrêmement lent. Bon, là, j'ai le joystick à fond. Ça devrait aller plus vite, non? Ah non, c'est sur X, mais c'était pas comme ça avant. Avant, juste je. Putain, mais. Ok. Oh, si je peux passer. D'habitude, d'aller ici, j'ai pas de passage, le passage, j'ai pas accepté. Si. Il y a un décompte. Faut que je la finisse dans le temps imparti, c'est impossible. J'arrête pas de me prendre les murs. Ou alors il faut que je sois premier dans le temps imparti. Mais il me faudrait l'habilité d'arrêter de me prendre les putains de murs, ça. En fait, arrêter de me prendre les murs et de prendre, par contre, prendre les boosts. Voilà. Je fais même pas exprès d'aller par là en plus. Ouais. Allez, on essaie une ou deux fois encore. Et pour éviter de rager la plus tard sinon. Mais plutôt, hein. J'évite d'aller en haut. Pas aller en haut, pas aller en haut. Je veux pas aller en haut! Sérieux? J'aurais pu me laisser descendre tranquille et m'emmerder. Je rage sur des jeux Lego. Au secours. Ça, ça marche en plus. Non, c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'arrête. J'ai pas envie de rager, de m'énerver pour si peu. C'est parfaitement mon genre. Pourrais plus tard. Orcam, peut-être. Là, je peux la faire, celle-là aussi. 28 sur 30. Ah, la vitesse. Mais là, je peux faire 10 sur 10. C'est quoi celui-là?
Charge des canonnières. Alors non, ce niveau m'a tellement fait chier. 20 sur 20. La charge des canonnières, non, non, non. Alors non. Ou pas. Un nouvel espoir. Ouais, ben non. On n'ira pas. Parce que j'ai pas encore fait le niveau qui va avec. Donc, et là, celui-là, ça doit être pareil, non? Lego City. Ah, putain. Ça, je sais ce que c'est. Ça, je sais. I know, I know. Et celui-là, je peux pas encore. Il faut. 50. N'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est quoi ça? Cinématique? Bande annonce. Ah. Ok. Bah écoute, moi je vais m'arrêter là. Donc je vais arrêter le live ici. Et ouais, c'est une fin. Désolé, je savais même pas que t'étais parti. Mais ça fait pas loin de 2 heures que je joue, donc pour moi c'est suffisant. C'est un live suffisant, plus que suffisant, d'habitude je fais qu'une heure. Et j'ai fait mon épisode quotidien. Du coup c'est samedi prochain, le prochain live Lego. Si tu veux revenir, c'est Zeiko. Donc merci à ceux qui sont venus et à ceux qui auront regardé la rediff jusqu'au bout. Ciao!